troisième jour du mois de Elul. Eh bien, on est bien ancré en Elul. Après avoir entendu le shofar, donnons un peu de tzedaka et donnons-le ensemble. Et donnons plus que d'habitude. C'est quand même le mois de Elul. Surtout pour ceux qui ont dit déjà ce matin les Silichot. Pas la coutume ashkenaze, mais c'est un moment d'amélioration en tous les aspects. Et pendant 50 jours, depuis Rosh Chodesh, donc depuis vendredi dernier, jusqu'au septième jour de Sukkot, Hoshana Rabba, nous récitons le psaume 27, qui commence par les mots « Le David Hashem Ori à David, le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Première mention de cette coutume semble se trouver dans le Sefer qui s'appelle Shem Tov Katan, du kabbaliste Rabbi Binyamin Benish Cohen, publié dans l'année 1706. Et voilà ce qu'il écrit, que celui qui récite ce psaume dans un état de sainteté, de pureté et de grande concentration verra ses prières exaucées et qu'il a le pouvoir d'annuler tous les décrets divins. Cette période est un moment de miséricorde divine. D'ailleurs, ce fut le cas avec Moshe Rabbeinu, qui est remonté au ciel la troisième fois après que le Ham Israël a commis le péché du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu, il est remonté, et à Yom Kippour, il nous a ramené les deuxièmes tables de la loi avec les paroles Vayomer Hashem Salachti Kidvarecha. Et Dieu dit qu'il nous a pardonné. Donc le principe général est que nous le récitons tant que nous sommes jugés pour la nouvelle année. Ainsi, certains ont la coutume de réciter jusqu'à Yom Kippour, le jour où Moïse a obtenu le pardon complet. D'autres continuent jusqu'à Shmini Atzeret ou même Simchat Torah. Coutume Chabad est de le réciter jusqu'à Hoshana Rabba. Pourquoi ? Puisque c'est à ce moment où le jugement est scellé. Mais peu importe exactement jusqu'à quand on le dit, mais le concept est le même. L'hymne de la période est fait de fin d'année, qui s'étend sur le mois de Elul et le mois de Tishri, est donc le psaume « Dieu est ma lumière ». C'est quoi la lumière ? La lumière ne change rien dans le contenu de la maison, par exemple. Une chambre où c'est obscur, ou une chambre où c'est allumé, les tables et les chaises et tout ce qui se trouve à l'intérieur sont les mêmes. La seule différence, elle est quoi ? Que la lumière révèle ce qu'il y a dans cet endroit. Tel que ça révèle dans ce qu'il y a à l'endroit, ça révèle aussi ce qui se trouve en nous. C'est-à-dire, elle nous permet de voir clairement sur ce sur quoi elle brille. Cet hymne exprime notre sentiment que durant ces périodes de l'année, Dieu est exceptionnellement accessible et que nous pouvons donc ouvrir les portes de notre conscience à Dieu et permettre à sa lumière de révéler tout ce que nous possédons. Mais qui malheureusement nous a échappé d'une manière ou d'une autre dans les couloirs assombris de la vie quotidienne. Eh bien, regardons un peu ce que ça révèle. La lumière révèle nos défauts. Mais ensemble avec avoir révélé nos défauts, elle révèle aussi notre potentiel à transcender et améliorer ces défauts. Elle révèle que notre négativité n'est pas plus profonde qu'un mauvais rêve dont nous pouvons nous réveiller par un sursaut de conscience volontaire. Il révèle que notre rêve de perfection est une vision que nous avons le pouvoir d'atteindre. Et la lumière révèle que nous ne sommes pas aussi éloignés de la bonté divine que nous le pensions. Ainsi révèle que nous ne sommes pas une entité séparée de Dieu, chas v'shalom, mais une extension de l'essence de Dieu lui-même. Révèle aussi notre capacité à avoir cette qualité divine, pas seulement chez nous, mais chez tous les autres. Révèle aussi notre capacité à nous élever au-dessus de la douleur du transitoire et de l'éphémère. Elle révèle notre capacité à nous réjouir dans ce qui est réel et éternel. Et surtout révèle que nous sommes au seuil de la rédemption, de la révélation de Mashiach et de voir finalement la lumière de la Goula.
Alors, mes chers amis, en prononçant ces mots magnifiques chaque jour pendant cette période cruciale, ouvrons-nous à la lumière divine qui est en nous et transformons nous-mêmes à notre monde pour de bon et le monde absolu, le monde de Mashiach.